Oh putain, ah ça m'énerve ça. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est toi qui as fait pleurer ma copine. Je vais te faire passer à la casserole, moi. Ce ou... Wow, ça se complique. Voilà les renforts. Par contre, j'adore sa voix, Todd. J'aime pas ce personnage, mais j'aime bien sa voix. Les filles, vous êtes pas du tout stylées, ça sert à rien de faire genre vous de poser. Non, vous êtes pas stylées du tout. Non, triple C comme la taille de poitrine que vous allez avoir quand vous allez être grande. Voilà. Ouais, toi ce serait plutôt C comme chocolat. Mais je m'égare, je suis désolé, je m'égare. Marc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, on va enfin pouvoir sortir, je crois. Oula, par contre, l'équipe qu'on m'a mis là, je peux rien faire avec. Hein. Il faut arrêter. Hein. Donc, Nomeo, Bobby, tu restes où t'étais. Et là, je mets Eric. Ça va pas la tête de me changer mes. Mes trucs là, hein, oh. Voilà, hein, laissez tranquille maintenant. Alors, est-ce qu'il y aurait un petit coffre? Oui, il y a un petit coffre quand même. Avec dedans une boisson, un cocktail vitaminé, et je crois qu'il n'y a rien à droite. Non, il n'y a rien. Ah, peut-être en haut. Non plus. Donc, hein, je crois qu'il n'y a toujours pas de... Ah, peut-être qu'ils... Non. Non, pas de défi encore. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour... ouais, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tous mes points de technique, c'est le plus important. Points d'endurance, ça se... c'est les moins chers, on va dire. On va leur parler, c'est parti. Donc, match contre les filles. Il fallait bien affronter une équipe de filles quand même, mais une comme ça, pour le stéréotype de la fille qui se fait, qui se maquille, qui se belle, qui s'est tue. Les garçons, c'est les méchants, tout ça. Bon, ben, faudrait arrêter, hein.
Ok. Donc triple C pour moi c'est triple chiante, hein. Je vous préviens, hein. C'est comme ça que je vais les appeler moi. Donc on a un attaquant de chaque, sauf Terre évidemment. Donc, je vais voir ce qui serait le plus intéressant en voyant. Donc le gardien est de type feu. Ok, bon on va voir leurs infos. Niveau 22. Donc 22, ça va être les doigts dans le nez quoi. Alors, est-ce qu'il y en a une qui serait intéressante? Alors elle, je la trouve vraiment pas mal au niveau des stats pour une fille. Oh là 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 là. Ensuite, donc il y a elle qui est pas mauvaise aussi. Bah, elles sont globalement toutes, on va dire assez bonnes quand même. Mais bon, c'est pas les plus intéressantes. Hein. Ça, ça peut être intéressant au milieu. Donc, et le gardien c'est du feu. Et donc là, on a elle. Ouais, bon. Donc, ils sont vraiment pas classe. Hein. Ok, donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une gardien de feu. Donc, tout ce qui est type. Je vais arriver. Type air, c'est même pas la peine. Enfin, si, on peut toujours essayer d'attaquer, y a pas de soucis. Mais ce que je vais faire. Oh, qu'est-ce que j'ai? Je peux toujours utiliser Erin avec sa tornade noire. Et lui, son tir dynamite est un type feu, je crois. Il y a 6 types feu, d'accord. Au pire, Eric peut rester, hein. De toute façon, il marquera quand même. En tirant, il devrait marquer, mais. Ouais, j'hésite. Allez, vous savez quoi? Exceptionnellement. Allez, je vais mettre Aigle sur le côté gauche. Voilà. Et puis, ça suffira. C'est parti, match contre les filles. Qui normalement ne sera pas scénarisé, celui-là, si je me souviens bien. Prends la balle. Oh, non! Il avait... Pourquoi j'ai lancé fort comme ça? Bon, allez, on va essayer de récupérer la balle cette fois. Alors, technique d'attaque ou pas? Non. Faute ou pas faute? Faute. Alors, faut savoir que moi, dans ma partie, j'ai fait énormément de fautes. Je sais pas si c'est parce que c'est des filles ou parce que j'ai pas de chance. Mais souvent quand j'ai des attaques, je fais des fautes. Bon, ça va. Voilà, passe, repasse, je repasse par ci, je repasse par là. Et on va... Oh mince, j'ai oublié de le remettre en attaque. Il s'est mis tout seul en défense, ce trou des fesses. Ouais, tête explosive. Je suis un peu dégoûté là. Allez, fais une technique, vas-y. Mais bon. Alors, je voudrais quand même lui faire remarquer que les ongles, ouais, c'est fragile. Continuez comme ça. Donc, je vois pas en quoi la technique. Elle aurait pu arrêter la technique, franchement. Alors, il faut que je retourne dans le menu. Parce que j'avais complètement zappé que. Il changeait de forme. Bravo, monsieur. Oula, petit ralentissement. Donc, on les ramène devant. Hop, c'est parti. Alors, je sais plus si ça dure un match entier ou qu'une mi-temps. On verra bien. Allez, vas-y. Oui. Il va faire faute. Non. Oh, bah, hop là, juste avant. Et je fais l'attaque Kung Fu qui est en plus une technique de terre, donc qui devrait être avantageux face à Daisy. L'arbitre ne verra pas main, hein, comme d'habitude. Et y'a but. Ouais. Il est vraiment moche quand même. Bon bah s'il y a de la peinture sur la tête, c'est à cause donc de Scotty. Hein. N'empêche, en y repensant, je m'entraîne pas tant que ça, mais c'est grâce aux matchs amicaux qu'on fait à côté et les défis qu'on a naturellement. Même les défis qui donnent des fois 200 points d'expérience. Chewing-gum. Allez hop, je lui fais la passe, je la récupère juste derrière. Et je fais faute.
Et voilà, c'est comme ça qu'on fait des passes. Bon ben, fais pas de technique de gardien, hein. Vas-y, continue de te faire trouer les fesses, hein. Sans mauvais jeu de mots, évidemment. Donc maintenant que Sean a dépensé tous ses points, je vais pouvoir mettre donc Aigle devant, comme ça. Voilà, on va le mettre devant, il pourra faire son tir de faucon tranquillement. En espérant que, évidemment, il soit assez fort pour battre les gardiens, mais... Je me fais pas de soucis, non. Ah, entrée en frénésie au moment où j'appuie sur tacle. Bon bah vas-y. Fais la danse du ruban, ouais, c'est moche. Putain, j'ai le nez qui me coule un peu. Ça sert à rien que j'utilise la frénésie tout de suite. Oh mais non. L'énerve c'est que Nain qui est super loin, il fait quand même partie du truc quoi. Je vais mettre poste. Fille contre fille ça donne quoi. Allez là par contre je passe hein. Alors quand même, là je suis avantagé au niveau feu. Elle c'est du type. Bon. Quand même, hein. Non mais oh. Ah mais non, je fais une passe toute pourrie. Bien sûr, fais une passe à l'adversaire, hein, je dirais rien. Allez, je joue comme... On va tenter le tacle. Et là, il va pas me laisser faire la... Hop là, oh parfait. Oh parfait. Parfait. Oh ya, c'est magnifique. Ch'tong. 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 Et là, il y a écrit mi-temps. Non, ça va, y'a intérêt. Bah là, j'ai battu le record du temps dépassé dans un match. Parce que 33-42, j'ai jamais fait, personnellement. Continuez comme ça. Mais des fois, on dirait qu'il dit Guignol. Oh, mais bon, pas peine de les déplacer. Ce sera la mi-temps. Donc là, c'est bien le match entier qu'on fait. Donc voilà, pour la mi-temps, c'est vraiment... j'ai besoin d'un jeu de poli, quand même. En gros, on est plus fort. Hein. Hop. Allez, c'est parti. Non mais oh, tu crois quoi. Allez, on repart en arrière. On a frénésie, oh. Bon, la frénésie, c'est vraiment juste pour les contrer, hein, vous le savez maintenant. Ah non, 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 et non, 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 voilà. Ah, mais j'aurais dû appuyer avant la fin de la frénésie, c'est pas grave. Donc, elle a quand même un avantage certain, mais bon, hein, le tir du faucon, hein, oh. C'est bien. Fais ce qu'il ne faut pas faire. Ouais. Continuez comme ça. Wow. Guignol. J'adore cette musique, elle me fait délirer. Allez, on continue. Donc 5-0, hein. Donc voilà. Savoir que le jeu est quand même bien plus difficile si vous faites pas les petits matchs amicaux qu'il y a autour. Parce que... Mais au début, le jeu s'adapte assez à votre niveau. Entre guillemets s'adapte, c'est-à-dire les niveaux ils sont, on va dire, toujours les mêmes, hein, quel que soit votre niveau quand vous y arrivez, mais ça suit bien votre progression. Alors vous allez voir que sur la fin, je sais même pas si sans entraînement je vais pouvoir finir le jeu quoi. Donc,
C'est bien, recule, recule. Eh oui, t'as donc du ruban, elle sert à rien. Hop là. Non, 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 mais non. Vas-y, oui. Ah, c'est beau ça. C'est beau. C'est très beau. Vas-y. Oh là là, j'ai eu chaud parce que j'ai pu me la faire prendre plusieurs fois. Hein. Tire du faucon encore, on va essayer de passer si possible. Ah non, on peut pas passer, des fois on peut, des fois on peut pas. Peut-être que dans les défis, que dans les défis, peut-être. C'est parfait tout ça. Hein. Oh génial. je l'avais jamais remarqué, je l'ai remarqué parce que là j'ai le son dans les oreilles assez fort. Donc j'entends bien ce que dit la personne, on dirait trop qu'il dit guignol. Ah c'est trop beau. J'ai envie d'essayer, donc je vais mettre Whittle ici. Tac, tac, voilà, on va essayer. Hein. On met rien, hein. Ça se trouve il va se faire arrêter la balle. Et déjà il faudrait que j'arrive à attaquer avec lui. Oui, Sean, je veux dire, tu as des jambes quand même. Ah, elle est parfaite en vivant. Y'a faute là, l'arbitre. Y'a faute. C'est pas parce que c'est une fille qu'il y a pas faute. Allez, contre-attaque, pas de faute. Non, pas de faute. Ah, il va avoir jeu, non? Alors voilà, on se retrouve encore devant le gardien et je vais faire le tir dynamite. Alors, est-ce qu'elle va utiliser une technique pour... Non, elle n'arrête pas avec une technique. Donc, c'est dans la boîte. Donc, à mon avis, ça va être une victoire 7 à 0. Ouais! Bien joué, Raymond! C'est... ça va. Wow! Génial! Je le dirai à chaque fois maintenant. Putain, j'aurais dû me taire. Bon, 8-0, c'est faisable, ça dépend, ça dépend. Ruban. Ça m'aura fait chier jusqu'au bout cette technique, hein. Vas-y, tacle-la! Ah voilà, là c'est le jeu est pas intelligent, c'est que on perd trop de temps à faire des techniques. Donc s'ils veulent marquer, il faut tenter de ne pas faire de technique, sinon ça sert à rien parce qu'il va siffler direct l'arbitre derrière. Donc victoire 7 à 0. Donc voilà, 7 buts pour 7 tirs, hein. Je peux pas faire le. Je peux pas faire 100% dans le vrai foot, ça existe pas, hein. Mais dans ce jeu c'est, ça existe. Voilà, donc là on va gagner quand même pas mal de points d'expérience, mais il n'y a pas grand monde qui va monter de niveau. Oh, Marshall qui monte de deux niveaux et personne n'apprend de technique évidemment. Crampons de fille, pressing, tout ça, bon ben voilà, hein. On gagne des choses à l'air de rien. Allez. Non. Non. Compare pas ce qui est pas comparable, s'il te plaît, Jack. Alors là, vous allez voir. Autant il y a... Alors, le personnage qui va être concerné par l'histoire, autant dans le 1, on entend parler de lui que à la fin, autant là, il va être... Il va pas avoir de chance, moi je vous le dis. Pour moi, c'est pas de la chance qu'il a. Thank you.
Oh là 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 là. J'aime bien ce passage. Ouh, attention, elle propose des choses un peu bizarres là, hein. La triple chiante. Pas triple con aussi, j'y pense. Enfin, mettez ce que vous voulez après le C. Hein. Ça a bien fini la musique au moment de cette phrase, c'est vraiment waouh. C'est horrible. Viens mon lapinou. Moi et mon choupinou, on restera ensemble pour toujours. Oh mais franchement, ils auraient pu en faire une plus belle quand même. Non pas encore. Un lapin, un lapin qui nous regarde. Alors, est-ce que j'ai récupéré tous mes points techniques ou... Oui, j'ai tout récupéré. Donc, parfait. Alors, je sais pas si c'est maintenant que ça se débloque, les défis, je sais qu'à un moment... Faut que j'essaye sur ma partie, en fait, si ça se trouve. Si, c'est sûr, il y a des défis ici. Peut-être attendre la fin du chapitre. Ah oui, quand même. Ouais, oh ils sont très très moches hein. Mieux que ça le trait. Voilà. Alors, aucun avantage des deux côtés. Qui sont moches. Aïe aïe aïe. Ah c'est vrai que j'ai des crampons qu'il faudrait que je mette à quelqu'un. Oh, j'ai le temps, je peux le faire en plein match. Enfin, en plein match. Avant le match. Parce qu'en plein match, j'ai jamais essayé de changer de chaussures. Ah, bientôt match à niveau pour Marc et pour Eric. Et là, vous voyez, il y a plein de défis maintenant. Oh, ils sont pas mal ceux-là, là. Non, j'ai rien dit. Ils sont très moches. Conserver le ballon. Ah, ça veut dire... Beaucoup de points d'expérience, bon, on va essayer. Me connaissant, je vais pas réussir. Mais... Non, hein, ouf. Voilà. Technique ceci pour les. Vous pouvez lancer très très loin la balle. Vous êtes quasiment sûr que ça vous arrive dessus. Quel lob! Quelle passe! Faut faire gaffe! Non! 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 Alors, je suis là, je suis désolé, c'est dégueulasse. C'est moi qui suis sur la balle. Putain, non, franchement, c'est pour ça que je déteste conserver le ballon. C'est que même des fois, il faut vraiment toucher le mec pour déclencher la confrontation. Et là, alors que c'est moi qui suis là-bas, il ne touche même pas encore. C'est lui qui me prend la balle. Mais il faut arrêter de déconner le jeu là. Putain, à 40. Secondes de temps du jeu prêt. Ah c'est le même, j'ai envie de me venger mais je sens que je vais faire une connerie. Ah non c'était totalement dégueulasse ce qu'il m'a fait. Genre, surtout Eric quoi, il va plus se faire prendre la balle, faut pas déconner. On va très très loin. Ah, cette fois c'est qu'ils sont deux hein, pour prendre la balle. Ah, la meilleure technique c'est vraiment de bourriner la balle le plus loin possible, c'est vrai que ça marche assez bien quand même. Par contre, au niveau des points que vous gagnez... Et bon, si eux vous donnent 300 points d'expérience derrière, vous n'allez pas cracher sur les 300 points. J'aurais dû la balancer plus loin tout à l'heure.
Là, ça devrait être bon. Voilà. Ah, ouais, bah dis donc. Ouais, c'est pas comme ça que je fais d'habitude. Oula, j'ai failli déplacer le 60. Ouais, bon, la prochaine fois, je ferai pas ça. Hein. Même si ça m'a fait gagner des niveaux. Bon, allez.